À la présentation des différents corps constitués que M. le sous-préfet est en train de saluer et qui nous souhaite également la bienvenue. De la désignation du chef de troisième degré du village Manka prévoit, après l'exécution de l'hymne national et la présentation des corps constitués, le mot de bienvenue de Sa Majesté le chef de gouvernement. Après cela, nous aurons droit au discours de M. le sous-préfet de l'arrondissement de Fumba. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, par ma modestie, voix, je prends la parole au nom de toute la population de Manka pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue
dans le village Manka pour la tenue de palabres en vue de la désignation du chef traditionnel du village Manka. Monsieur le sous-préfet, vous avez besoin d'être sorcier ou spécialiste dans l'art des dilatoires pour sentir que le malaise profond qui a fait les 10 000 âmes environ du village de Manka et la vacance de la chefferie du dit village depuis fin février 1986, date du décès de son chef, notre feu père Jumon Banda Amadou. Je puis témoigner et vous affirmer que cet acte n'a pas été établi par négligence, mais nous, fils du village, et à mesure de diriger le village, était tous dissimulés dans le pays comme fonctionnaires. Et en sommes-nous heureux que cela se passe ce jour dans la paix et l'entente. Monsieur le sous-préfet, pour vous permettre de mieux nous connaître le village de Manka, cosmopolite, au regard de cette diversité ethnique qui regroupant le Bamoun, Bamileke et Aoussa, installé sur le tronçon de la terre principale de la ville qui va de la mission catholique jusqu'à la concession de l'ancien Ajour au sultan Feu-Fé-Vessa, à l'intérieur du village. L'homme des noms des minorités Tika, Banso, ses fonctionnements ethniques partagent leur foi dans le christianisme ou l'islam majoritaire. Nos populations qui souffrent des manques de notre viabilité se contentent de petites activités commerciales et artisanales. Certaines familles ont émigré vers des zones rurales de Bangkok, Fungot, Malanton et Maba, où elles pratiquent des travaux champêtres de nombreux jeunes originaires du village se retrouvent dans les grandes métropoles de Yaoundé et Douala en quête d'emploi et d'autres soins. Et d'autres sont dans l'espoir. Il faut relever en passant que du fait de proximité avec le quartier Aoussa qui est un démembrement de l'ancien grand village de Manka, notre chefferie est fortement islamisée, donnant ainsi lieu à la naissance d'une casse-tête de marabouts et des grands dignitaires religieux appelés imams. Très peu nombreuses, mais actives et représentatives, d'élite extérieure et composée des marchands d'Abamous, basé en Europe aux États-Unis et des fonctionnaires relevant de corps de la police, de la gendarmerie, de l'administration générale pour la plupart. Pour terminer au plan politique, les principaux partis représentés dans le village que sont le RDPC et l'UDC cohabitent harmonieusement et exercent leur activité dans la paix et le calme. Elle est la physionomie sociopolitique du village de Manka. Monsieur le sous-préfet, s'agissant de notre audience traditionnelle, les populations réitèrent leur désir en faveur du désenclavement du quartier pour l'ouverture des deux routes traversales dont les tracés ont été faits il y a près de 30 ans par la défunte commune de plein exercice de Fournac. La première route relie le bloc Pompignette à la deuxième route qui descend à près de l'hôtel Borica, alors que la descente relie le quartier de Manka à celui de Jika. Celle-ci prend naissance à l'école coranique de feu Jeffernanda, traversant la rivière de l'Inde et se poursuivant au lieu dit pour déboucher au carrefour rond-point de l'école publique de Jika. Du fait de cet enclavement manifeste, Manka est devenu un jeu de patience où se réfugient les malfaiteurs de la ville en posant ainsi de sérieux problèmes d'insécurité pour la population. La seconde audience prioritaire porte sur l'extension des réseaux d'électrification dans le village et le creusement de quelques fourrages ou puits ordinaires en attendant l'extension de la mission d'eau potable. L'absence d'électricité aggrave l'état d'insécurité nocturne et le manque d'eau potable explique de nombreuses maladies hydriques telles que la nidose et les diarrhées auxquelles sont confrontées des populations. Nos populations souhaiteraient la création à Manka d'un centre de santé et d'une autre école maternelle
compte tenu d'une part de leur incapacité d'accéder aux soins élémentaires de santé pour raison d'éloignement des hôpitaux et de nombreux pourcents des enfants en âge de l'école maternelle d'autres parts. Pour terminer cette litanie de doléances, nous ne saurons passer cette opportunité sans poser des problèmes cruciaux de l'insuffisance des cadres et des personnels enseignants à l'école publique de Manka. La sécurisation du même établissement passe également par la construction d'une clôture de prétention, de protection et d'élimination foncière. Monsieur le sous-préfet, nous sommes conscients des moyens limités du gouvernement, de la rareté des ressources financières de l'État et de l'ampleur de la tâche accomplie par ces temps de stagnation de la croissance. Nous souhaitons pousser le format et que, progressivement, nos audiences les plus anciennes connaissent un début d'exécution afin d'éviter de nous donner l'impression que notre localité est oubliée dans la République. Nous vous promettons d'associer nos efforts aux initiatives de développement local et du développement local. Vous pouvez nous faire confiance, nous faisons confiance aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent, et principalement son excellence, Monsieur le Premier Président de la République et chef de l'État, qui nous garantit une paix et un développement durable pour notre pays. Vive le département de Nous, vive l'arrondissement de Foucault, vive le village Manka. Je vous remercie. Fonctionnel. Et je crois que tout le monde me comprend sur le plan traditionnel. Ce village est très important. Ce village, disais-je, a eu à traverser une période, je devrais dire, Dieu a voulu qu'il traverse une période un peu difficile. Oui, quand il rappela à lui Sa Majesté Dimongwe, les documents en notre possession font état de ce que son fils, Djimouchipou Sédou, fut appelé à exercer traditionnellement le commandement de ce village. Et tout le monde a suivi, avec certainement un pincement au cœur, ce qui est arrivé à celui-ci. Nous avons pensé, lorsque Djimouchipou Sédou est revenu retrouver les siens, nous avons pensé qu'une lacune qui a eu lieu en 1986 allait enfin être résolue. C'était sans compter avec la capacité du bon Dieu à décider. L'a décidé lorsque nous pensons que c'est nous qui maîtrisons le cours des événements. Contre toute attente, Djimouchipou Sédou a aussi été appelé par l'Éternel à nous quitter. Cet homme que nous avons accompagné à sa dernière demeure ici a laissé en nous un souvenir qui ne s'effacera jamais. Ce jour-là, je l'accompagnais en lui disant que c'est pour que les bonnes œuvres, que ses bonnes œuvres l'accompagnent, tel qu'il est écrit dans le livre sacré de l'Islam. En souvenir de toutes les bonnes choses, de toutes les bonnes œuvres, des disponibilités particulières du cœur de cet homme, je voudrais vous prier, hommes et femmes de bonne volonté, de vous lever pour observer une minute de plus en sa mémoire. Le chef est mort, vive le chef. Je suis donc venu aujourd'hui pour accomplir un devoir, celui que me prescrit la réglementation
en matière de désignation des autorités traditionnelles de troisième degré. Mais vous me permettrez de vous présenter d'abord la délégation qui m'accompagne. Avec moi, j'ai le commandant de brigade gendarmerie territoriale de Fumba. Ah, vous n'applaudissez pas parce que vous m'êtes souvent entendu. On n'a pas vu. Ce n'est pas compliqué. Faites quelque chose. Les gens qui se comportent mal le voient très vite. Je suis venu avec le commissaire spécial également. Quelqu'un a pris la parole avant nous tous. C'est l'adjoint au sous-préfet de Fumba. Vous voyez, il est entouré par des jeunes gens. Ceux-là, c'est eux qui vont nous remplacer. Ce sont des stagiaires de l'ENAM qui font leur stage de commandement auprès du préfet et ils sont venus apprendre les réalités locales. C'est l'occasion pour moi de dire aux jeunes qui ont exécuté l'hymne de copier cet exemple. Vous voyez qu'il y a même deux filles qui, si Dieu le veut, peuvent très bien arborer dans les mois qui viennent ce vêtement. Je suis donc venu, guidé par le chef de groupement, pour que, ensemble, nous puissions combler un vide qui a déjà trop duré. Ce n'est pas à vous que je vais rappeler à quoi sert un chef. Votre porte-parole a dit tout à l'heure que votre village est devenu le repère, le lieu de repli des malfaiteurs. C'est certainement parce que le village de Manka manque de cette dynamique qui est suffisamment répulsive ailleurs par rapport aux malfaiteurs. C'est peut-être parce que vous vivez une espèce d'orphelinat depuis de longues périodes. Mais le plus important, ce sera ce qui va être fait tout à l'heure. Je sais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que la plupart d'entre vous ont une obligation religieuse dans quelque temps. J'étais supposé être là vers 10 heures. Mais voyez-vous, une réunion à la préfecture a mis un peu plus de temps que prévu. Et vous me pardonnerez quand vous saurez que cette réunion avait pour objectif l'étude d'impact environnemental pour la route bitumée qui partira du point zéro situé autour du lac de Fumban en direction de Kupa Matapi et qui fera une route qui fera 54 km jusqu'à la limite avec le nord-ouest en direction de Jakiri. C'était tellement important également pour nous tous que je ne pouvais pas ne pas y prendre. Permettez-moi maintenant de remercier particulièrement un monsieur à qui le chef Mouchipou Seydou avait prêté son bâton de commandement afin que pendant son empêchement, que ce village ne se retrouve pas totalement comme un troupeau sans berger. Levez-vous. Venez par ici. Je voudrais le remercier parce qu'il a assumé la régence. La régence veut dire qu'il a assumé la fonction
bien que n'étant pas investi du rôle. Et c'est grâce à lui que je pouvais facilement savoir ce qui se passe à Manka. Je crois que c'est avec lui et que certains malfaiteurs aussi ont été mis hors d'état de nuire. Je me rappelle le dernier cas avec une arme à feu. Il fallait être assez courageux pour le faire. Vous étiez orphelin sans être très orphelin. Je voudrais donc en ce jour qu'il soit retenu, que nous le félicitons et que nous garderons de lui le souvenir d'un homme qui a beaucoup pensé aussi à son frère aîné et qui ne pouvait pas laisser l'œuvre de son frère aîné tomber par terre. Je suggère que la notabilité puisse, dans l'avenir, lui réserver une place de choix dans ce village et dans l'histoire de ce village. Une fois de plus, monsieur d'accord. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la chefferie traditionnelle dans notre pays est encadrée par un décret qui date de 1977. Au terme de ce décret, le pouvoir est dévolu en termes de succession à la famille habituellement régnante. Il arrive souvent qu'en pareille circonstance, que nous ayons plusieurs candidats qui se lèvent. Le malheur, c'est que lorsque le sous-préfet s'en va, il laisse un village à feu et à sang. Je suis venu aujourd'hui dans l'espoir que quand je partirai d'ici, je laisserai toutes les filles et tous les fils de Manka unis autour de la personne qui sera désignée. Ayez à cœur que Djimu Chipou Sédou était un rassembleur. Ayez à cœur que Djimu Chipou Sédou était un homme de paix. Ayez à cœur que c'est sa continuité que nous allons laisser ici. Tout à l'heure, je vais m'asseoir un peu pour laisser la parole à mon adjoint, afin qu'il vous donne lecture des termes du décret relatif à ce qui nous amène ici ce soir. J'ai demandé à Sa Majesté le Sultan Wadebam de veiller particulièrement à ce que le travail que je vais faire ici aujourd'hui se déroule bien. Il m'a promis qu'il va s'en travailler à ce qu'il en soit ainsi. Parce que voyez-vous, le chef que nous allons remplacer aujourd'hui n'était pas n'importe qui. Pour nous, il était notre aîné. Il était notre aîné dans le travail que nous faisons. Il était un phare. Et sur le plan social, moi j'étais ici lorsque il est revenu de détention. De mémoire d'homme, on n'a pas encore vu quelqu'un qui est accueilli en héros comme ce fut son cas. Du pont du Noun jusqu'à Touba. C'était tellement émouvant qu'on avait l'impression que les populations de Fumba étaient devant un prophète ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, chacun a ressenti que cet homme manquait. Il leur manquait. Je veux que tout le monde s'en souvienne. Et qu'il n'y ait aucun débordement. Je vais donc donner la parole à mon adjoint. Il va vous donner lecture d'un extrait du décret. Chefferie traditionnelle.
Toute chefferie traditionnelle est placée sous l'autorité d'un chef, assisté d'un conseil de notables, formé selon la tradition locale. Le chef désigne au sein du conseil un notable qui le représente en cas d'absence ou d'empêchement. Le chef peut mettre fin à ses fonctions. Les chefferies de premier degré sont créées par arrêté du ministre, celles de deuxième degré par arrêté. Premier degré par arrêté du premier ministre, celles de deuxième degré par arrêté du ministre de l'administration territoriale et celles de troisième degré par le préfet. Les chefs traditionnels sont en principe choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique et morale requises et savoir autant que possible lire et écrire. La vacance d'une chefferie traditionnelle intervient par suite des décès, de destitution, de démission ou d'incapacité physique ou mentale permanente du titulaire, dûment constatée par un médecin public requis à cet effet. En cas de vacance d'une chefferie, l'autorité administrative procède sans délai aux consultations nécessaires en vue de la désignation d'un nouveau chef. Les consultations prévues aux articles 10 et 11 qui précèdent ont lieu au cours d'une réunion présidée par le préfet ou les chefferies de premier et de deuxième degré et par le sous-préfet pour les chefferies de troisième degré, comme tel est le cas aujourd'hui. Le déroulement des consultations est consigné sur un procès verbal signé du président de la réunion. Nous allons maintenant demander à tous les notables de la chefferie de Manka de se faire enregistrer en vue des opérations proprement dites qui vont conduire à la désignation du nouveau chef. Enregistrer. Nji Tiamoun Aliou. Nji Chefku Njikam Aboubakar. Nji Wapra Sangou Adamou. Nji Foujo Ngouchema Ismaïla. Nji Fen Kensa Ibrahim. Jitaru Amadou, non c'est Adamou, Jitaru Adamou, Jifosi Amidou, Jitie Joya Soule, Maloumlou Mama Tassiou. Jifon Aboubakar Sidik. Jifon Boure.
Jimumbaya. Jifonku Amadou. Jifero Boudnia Sedou. J'ai Fouakougou Tchéché Simon. J'ai Fenzie Abdou. J'ai Couché ma maman. J'ai Ngamlié Manta. Jimumbaku Imusa. Après le recensement de notabilité, et tout le monde est d'accord que nous n'avons oublié personne, je vais demander à ces notables de reculer un peu pour laisser l'espace dans la cour. Que ceux des notables, en raison de leur âge, qui ne peuvent pas supporter de rester longtemps debout, qu'on leur apporte des chaises. Vous voyez, on a failli avoir un accident là. Conformément aux dispositions et termes du décret dont lecture vous a été donnée, qui est candidat? Qu'il se présente ici, que je vérifie sa filiation afin que la notabilité aille se concerter pour nous donner le nom du chef. Une fois de plus, qui est candidat? Le candidat se fait dans la cour. Je vais poser la question trois fois. Si au terme de ces trois fois, nous enregistrons un seul candidat, nous prendrons son nom et nous continuerons par la vérification de sa filiation. Je pose la question trois fois. Qui est candidat? Qui est candidat? Qui est candidat? Qu'il soit mentionné que j'ai posé la question trois fois, au terme desquelles nous n'avons enregistré qu'une seule candidature. Nous allons vérifier si le candidat répond exactement au terme du décret dont lecture vous a été donnée. Je suis personnellement venu enterrer ici le chef Jimushiku Seydou. Est-ce que c'est votre père? Papier, le papier.
lève le micro. Effectivement, je vois M. Foke Mouchipou Mohamed. Le nom du père, c'est Mouchipou Seydou. On dit qu'il doit, autant que faire se peut, parler ou écrire nos langues officielles. Je crois qu'à cet âge, on parle français, on peut écrire. Maintenant, il faut être de bonne moralité. La notabilité va nous dire. Nous enregistrons le candidat à M. Foke Mouchipou Mohamed, et comme c'est le seul candidat, je demande à ce que la notabilité se retire quelque part et que la notabilité revienne avec un porte-parole qui va nous dire si vous acceptez M. Foke Mouchipou Mohamed comme chef de troisième degré de ce village. Que la notabilité se retire, mais lui il reste ici. Vous allez donner le microphone au porte-parole des notables. Qui va me répondre? Notabilité du village Manka. Au terme de votre conciliabule, qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Je vous donne la parole. Merci, monsieur le sous-préfet, de l'arrondissement de Fumba. Nous sommes concertés et à l'unanimité, nous avons reconnu l'hérité de Jimouchipou Seydou comme le chef de village de Manka. Il sera donc retenu qu'après avoir consulté la notabilité coutumière compétente, monsieur le candidat Foke Mouchipou Mohamed a été désigné chef de troisième degré du village de Manka. Population du village de Manka, en attendant l'homologation par le préfet de ce que nous venons de faire tout à l'heure,
vous reconnaîtrez jusqu'à preuve du contraire, Monsieur Fouque Mouchipou Mohamed, ici présent, comme votre chef. Excusez. Quelle immutabilité, ça c'est maintenant. Maintenant, je vais demander. Au chef désigné, Fouque Mouchipou, de prendre place à côté de moi. C'est le jour de l'installation que vous allez tous le féliciter. Trouvez-lui une place à côté de nous. Majesté, nous allons bientôt nous séparer. Je rentre dire au préfet que j'ai laissé un chef à Manka. L'orphelinat est fini. Le premier ordre que vous allez donner consistera à mettre un terme à la mise en berne du drapeau. Regardez bien ce drapeau. Il n'est pas jusqu'au bout. C'est un signe de deuil. Levez-moi maintenant ce drapeau jusqu'au bout. Et que désormais, il ne soit plus caché par les feuilles. Qu'il ne soit plus caché par les feuilles de l'arbre. Il vous revient, sous réserve de l'arrêté du préfet, qui va nous permettre de revenir procéder à votre installation solennelle. Mais maintenant, vous exercez en tant qu'autorité traditionnelle ici. Lorsque je reviendrai, je vous donnerai votre feuille de route. Mais je vous conseille de vous appuyer sur votre conseil de notable. Que les notables soient vos conseillers et il vous revient de désigner naturellement votre représentant parce que la chefferie n'est jamais vide. Cela dit, ce que je suis venu faire est pratiquement terminé. Je n'avais pas un chef dans la poche. Ce sont les notables qui ont trouvé le chef de Manka. Si vous voulez un grand chef, que les notables fassent qu'il soit un grand chef. Si vous voulez un petit chef, la responsabilité incombera au notable. La balle est dans votre camp. Je vais demander maintenant à ce que le chef désigné donne ses premiers ordres, c'est-à-dire vous désignez quelqu'un pour qu'il entonne le refrain de l'hymne et pour que la suite nous soit donnée. Je vais demander à Madame Mustapha, levez bien le drapeau, s'il vous plaît. Merci. Cher Patrick, t'es chéri, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour.
quand la cour soit libérée, il y a les guerriers du palais qui vont dire au revoir tout de suite à monsieur le sous-préfet. Avant toute chose. Procéder à la dernière phase de la cérémonie, à savoir la collation qui est réservée à monsieur le sous-préfet et à toute sa délégation, le gratin des autorités de la ville. Nous allons également passer une dernière information de la part de J. Mohamed qui dit à la cérémonie d'installation, il désignera son représentant. Merci pour votre attention, merci pour votre assiduité. Merci pour tout. Alors, Majesté, on fait comment? Photo de famille, adjoint. On va me donner une photo de famille. On va me donner une photo de famille. Alors, Majesté, on fait comment? S'achève dans la joie. Tout le monde est unanime autour de la personne du nouveau chef de Manka. Ça augure des lendemains qui chantent pour cette chefferie. Le souvenir qu'on garde du feu Mouchi Pousedou est impérissable. Ce fut un homme de cœur, ce fut un homme d'action, ce fut un homme très grand cœur. Il nous manquera toujours des mots pour parler de lui.
le vrai problème qui se pose à nous, c'est le défi qu'il lance à son successeur. Parce que là, vous imaginez bien que son successeur devra au moins faire comme lui, sinon plus. Ce qui signifie que c'est un travail de titan qui attend Sa Majesté Fokker Mouchipou. Et je compte beaucoup, comme je l'ai dit, je compte beaucoup sur ses notables pour l'épauler, parce que la tâche sera difficile dès le début. Et il faudra qu'il soit bien épaulé et que les populations puissent comprendre que tout homme peut commettre quelques erreurs en début. Mais je ne doute pas un seul instant que ça va bien se passer après. Ah, dans la voiture, ah bon. À bas du recul. Quelque chose que tu as failli faire là. Le chef ne pleure pas. J'ai vu quand on est venu donner le mouchoir. Maintenant, les tiens, peut-être à la situation, tout le monde compte sur toi. C'est toi qui encadres tout le monde. Dieu va aider, tu vas voir. Encore que les morts ne sont pas morts. Merci pour tout. J'espère que la voiture va bien arriver. Je suis un peu plus de temps.
mon coup de bandit de Fanny. Maintenant, frère de mes points, vous pouvez profiter de l'antenne. Et les mille, n'a pas un bon chien de chicot. Prenez 7 jours pour un chicot. Je ne sais pas si je suis un chimboy ou un yabinien. Je suis un chimboy qui a été chez moi. Je suis un fonctionnaire qui a 35 ans à la justice. Je suis un fâche. 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 Je Je suis un peu plus de temps. Je suis Yago personnellement, je me compte le pas manger à terre. Aba bomi, j'habite là, mais. Inje tour. Aïe, mette en tour, j'ai dit. Et peut-être votre programme, même, mais vous pouvez me dire. Après, vous me t'as sapé. Là, t'es juste pour que vous voyez. Et ça, faille, rien. Non, je peux me le aller. Ma crêpe, je suis carré à peine tout à fait. Il tout. Je suis en délire. Je suis un peu plus de temps. Supérieur du département de Manka, Jali, et toutes les notabilités du village de Manka et la population. Le message à chaud, tout ce que je peux dire aux populations de Manka, c'est que, comme a dit le sous-préfet, la fédéra est terminée, désormais ils ont un chef, je suis là, je serai avec eux. Satisfait. Vous avez tout compris comment le sous-préfet dit, le village était vraiment vide. On était des orphelins. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes satisfaits. Tout ce qu'on a préparé s'est bien déroulé, s'est bien passé comme c'est. Comme un notable, Manka, le chef à Jifanku Amadou. Je suis un peu plus de temps.
Je suis Nazidan, l'héritier de ma grand-mère Manka Matam. Aujourd'hui, c'est la destination du chef du village qui fait partie de mon grand-père. C'est un truc dynastique. C'était élu, c'était fait. On savait que ça devait être comme ça. Parce que la personne qui est partie, qui était une jumeau, c'est de le feu ministre, avait déjà les consignes. Nous sommes les notables de cette chevelure. On savait déjà que ça devait être ainsi. Donc, on remercie juste les bons dieux. Les messieurs se sont bien déroulés et ça s'est bien terminé. Nous avons été rassemblés tout à l'heure pour la désignation du chef de notre village, et ce qui a été fait par monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fouban. Et la désignation du chef a rejoint le sentiment de tous les habitants de Manka, toutes les populations de Manka. C'est pour ça que vous voyez cette réjouissance autour du chef. Et nous ne pouvons qu'encourager le chef à continuer dans cette lancée. L'unanimité que vous retrouvez autour du chef ne fait que témoigner de sa constante assistance et sa sollicitude vis-à-vis des populations de Manka. Et je crois que la vacance a duré, comme le disait le sous-préfet tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons trouvé l'homme indiqué, l'homme prodige pour diriger le quartier. Nous sommes tous contents et nous souhaitons que le nouveau chef continue dans cette lancée. Dans cet élan de rassemblement qu'il a commencé par ailleurs avant d'être intronisé chef. Moi, je fais un Je suis un peu plus de temps.
sûr, merci. Mais ni fin, je ne fais. Et en l'occurrence, j'ai mon chipou. Il part mon tout côté. Une tessure. Pas un jour dans mon manque à mes capots, mon chef du village. Je suis là. Et mon niveau, pour pied, j'avais mon chef. Franchement parlant, il n'y a pas eu que Wani n'y pas de réserver nous, puis n'y a pas de nous, puis n'y a pas de nous, il n'y a pas un travail, personne ne cap une journée physiquement, moralement, ne cap une côte, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de monnaie, il faut tourner, puis manque un plus. Puis je n'ai pas de monnaie, il n'y a pas. Il est à voir ce soir. Il faut un genre de voiture. Il n'y a plus qu'il y ait des gens. Il n'y a pas de problème. À part, il faut payer les gens. Merci. Mais il est là. 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 Je ne sais pas comment je suis là. Je ne sais pas si 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 je. Ouais, vous avez un chef de manque à l'eau, ça a été beaucoup de choses. Vous avez un peu de choses, vous avez un peu de choses. 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 Vous avez un peu de. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
Alhamdulillah rabbi alamin bu fa yoni ni ta fongu re ne comme ka bitte musa ngami shi wa kan shi na na ba to ku mu fa yoni ngamna ye yi wa mire ni ikum shi ba manka fa yoni fo pam re ne te mai shi ba shi fo na yen ngambi shi bu yen anji lu ma ma na ba te ko fo re ne na yin yi fo ngure ye mire ni a fe shi na Alhamdulillah rabbi alamin bu bi fa yoni ngamna re ne te bu fa yoni ba manka ma ka ba mi shi na ba manka ba mi shi ku yen bu ga sabbe bu mani ga sabbe bu mi shi ba mi shi na bun na na bi te tum na bi fa yoni ma ka ba manka tum sanga mi a we mu mi manda ma i ma pi ku ji ba yo mu mi ku ji na i ma pi manda a bu ma ka ba manka ba ndi bon GP fena ok sa yele ba manka kun wat ji mo meri we shu mo tu ji mo ngbara ni ni shi ni fa po ni na sa ni yele shi bo amba ta mbe shi andi sa sa ni yele shi fa 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 ne shi shi ba manka ni mba pu ko shi bon zuna ma ku ita shan shi mo ngba shi ma dunga na ika bi po shi dilla amanka mun manka ba ne ko misariya ne ne shi mun manka tafta dilla ko misariya shi shi an bu mun manka shi shi ku shi da mun manka mangu mun ban shi da mun sha min ba tun wata tan shi ba me ko en am sake civi mi moni yi wa ipi ndi ishina ya da fa a yin bun ba mi ika shu fa ana ni fo ngura lim shi fa ko ni fa ndi shi ko mun manka an fa ko ni ya min la manka abun ni fa shi fa ko kan wani sayin grupo mente ba dum tun na kuren ma loka jimin ba ka kura ba man ka ka bo ponche ba yebe yume jimin shi ko ko tuna ti ba mba lum kare me ya din shi ni yuwa no ban share na apo nan jam jam ni ta fungu da pin fu shi mun shi ko shi pa ko nda bi kun ko na ponche ba aba e ka me ndi ana bi ga rai kun kwata ndi mu mu fa na ponche mun shi ko jabi me shi Oui, mais depuis un bit tard, papa, j'ai mis des tout un petit jour. Mais vous, quoi, vous faut rien, vous allez pour y faut pas en zémi, ni n'amber l'or à chouiner. Avec un roue ou un peu ni m'en a plus chaud, ma panjia manquera. Je compte un petit jour, mais manger mon petit coup, le chip à moi-même, et dans le jour d'elle, bien que vous ayez ma chiche, le village manquera. Non, vous promenez pas de l'homme tout, et ma charme, il a fait pour le sang, et je suis femme. Je préfère en zémi, mais vous vous pensez. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de Courage. Et puis, vous me pouvez vous acheter vous me pouvez non. Vous achetez vous vous me pouvez. Mindez ne pouvez. Dès endu, mais man soit mandat. Bon, l'indarai. Parieni pas mandat mais déjà un camini moreni. Ne pas endu pour sauver ni. Bichani. Tu peux prévoir ne mourir de faim ne peut pas venir sans vous là. Endu sauver ni. Merci. Mon famille. Nous ne voulons pas,
nam koche ni mon cabinet pour le voir pour y aller pour le voir pour y parler par la femme na fitina bien chargé de la marche à chouraine de baille de tout mais là pour le voir pas une trine de chine mon coton c'est le moment et là pour le voir et puis on a Il y a un peu de temps. Je suis un homme qui a été 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 un homme